Je suis très heureux de présenter aujourd'hui l'atelier. C'est un atelier qui a une dizaine d'années d'expérience. On a été assuré et inscrit à l'ordre des architectes il y a 3 ans. J'ai totalisé beaucoup de missions avec des agences d'architecture, autant pour le dessin de mobilier que pour des problématiques urbaines, en passant évidemment par le particulier, des extensions de maisons ou des rénovations d'appartements. Ici à l'image, vous pouvez voir le Loulou. C'est un restaurant qui se trouve dans le 5e à Paris. Le chantier a été terminé en décembre 2010, donc le restaurant vient d'ouvrir. C'est pour nous une grande fierté. Il y avait à peu près une quinzaine d'entreprises, 20 corps de métiers différents, donc il fallait coordonner tous ces métiers. Ça a été une période passionnante, très prenante. Ici, vous pouvez voir un projet de rénovation d'appartement. Et là, c'était un petit peu un challenge. On avait très très peu d'espace. Il y avait les 3 pièces d'eau à reprendre. Au niveau de la cuisine, en fait, à gauche, on peut voir un meuble qui est de très faible profondeur. On a tiré parti en fait d'un tout petit espace avec un dessin à la Mondrian, des petites portes en verre. Dans la salle de bain, on avait un petit peu plus de place. On a pu donner une ambiance un peu plus cosy, travailler un petit peu sur les matériaux, les tonalités et un petit peu de chaleur. Dans les WC, nous avions un espace très restreint de 40 cm de large sur 2 mètres de profondeur et on en a tiré parti en dessinant un meuble sur roulette qui est en fait en 2 parties puisqu'on peut tirer le premier puis le second. Ici, nous avons une rénovation complète d'appartement. Ce sont 2 espaces que nous avons réunis en un seul, donc une chambre et un salon. Et on a gardé l'espace bureau qu'on a dessiné dans une ambiance un petit peu bateau. Vous pourrez voir que, au moment de la conception, on a présenté une représentation virtuelle du bureau afin d'avoir vraiment une représentation réelle de ce qu'on va proposer. Le travail d'un architecte en amont, c'est de définir les besoins. Ça veut dire comprendre exactement ce dont vous vivez, comment vous le vivez, quelles sont les fonctions dont vous avez besoin ou quelles sont les nouvelles fonctions dont vous avez besoin. On va symboliser toutes ces fonctions par des petites bulles dans lesquelles on va inscrire le nom des espaces. On va ensuite tenter de rejoindre ces bulles pour comprendre comment on va passer d'une bulle à l'autre. Nous allons tout simplement étendre le fonctionnement de la maison avec les bulles que nous avons rajoutées à l'existant. Chaque information que vous allez nous donner dès le premier rendez-vous, nous allons l'intégrer dans un système d'information qui va nous suivre du premier rendez-vous jusqu'à la réception du chantier. Et vous pouvez voir dans ce document que nous allons commencer par enregistrer chaque espace, la cuisine, la salle de bain, les WC, les toilettes, le salon. Et puis pour chaque espace, on va indiquer toutes les différentes fonctionnalités ou besoins pour chaque espace. Puis dans une phase suivante, nous allons vous proposer des références pour chaque équipement, chaque finition de chaque pièce. Vous aurez alors un petit drapeau jaune. Une fois que tous les éléments sont validés, et donc passer en drapeau vert, nous allons passer à la phase suivante, avant projet définitif. On va donc travailler en détail, on va aller chercher plus loin, chercher les informations chez les fournisseurs, chercher les informations chez le plombier, chez le menuisier, et on va faire en sorte de cibler complètement chaque action pour chaque item. Un architecte, c'est quelqu'un qui va écouter vos besoins, les définir avec plus de précision, qui va vous proposer quelque chose hors du commun ou très fonctionnel,
mais surtout c'est quelqu'un qui va vous le réaliser. Donc c'est quelqu'un qui, pendant 6 mois, 1 an, va être capable de tenir une rigueur dans son travail et aboutir vraiment à un travail de qualité. Ici, ce que vous pouvez voir, c'était un projet qui a été très intéressant puisque nous devions réunir deux appartements au 4e et 5e d'un immeuble, au dernier étage, et nous devions y faire vivre les grands-parents, les parents et les enfants. Donc il y avait 3 générations. On a enlevé toutes les cloisons des deux niveaux, on a enlevé un escalier, on a recréé un escalier et on a refait tout le cloisonnement des deux plateaux. Donc encore une fois, j'ai été très heureux de vous présenter notre atelier. Et si vous avez des envies, si vous pensez que vous pouvez faire mieux chez vous, n'hésitez pas à nous contacter.